Quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, au XVIIe siècle, voici ce qu'ils ont découvert. Des paysages immenses et vierges, avec une variété de végétation extraordinaire, et des animaux innombrables. La création semblait éternelle. Et puis les explorateurs ont été suivis par les militaires et les marchands. Les nations européennes n'ont pas tardé à exploiter ce continent. Exploitation des terres, des richesses minérales, exploitation de la faune. Les Africains, depuis toujours, chassaient les animaux pour se nourrir, mais ils ne prélevaient que le nécessaire. Les espèces n'étaient pas en danger. Avec la colonisation, la situation change. La chasse sportive n'est pas contrôlée et la chasse alimentaire est considérée comme indispensable pour la main-d'œuvre utilisée aux grands travaux d'infrastructure. Au Kenya, par exemple, la construction du chemin de fer de l'Uganda Railways avant la Seconde Guerre mondiale se solde par une hécatombe des éléphants, des rhinocéros, des buffles et des hippopotames. Et puis, les nouveaux maîtres des grands domaines d'élevage ou de culture ne supportent pas que les animaux sauvages empiètent sur leurs terres. Ils les abattent alors comme des animaux nuisibles. À partir de la fin du XIXe siècle, l'essor du commerce international se traduit par de nouvelles menaces. La faune devient un enjeu économique. Les peaux de félins ou de crocodiles, l'ivoire des éléphants, la corne des rhinocéros sont très demandées dans les pays riches. Affirmative, only about 100 meters from where the fire was. Yeah, it's a young animal. It's only about 16, 17 months old. Okay, yeah, there's shots in the side. They're getting cheeky, eh? Avec la réduction de leur habitat naturel, ce commerce est la cause principale de la détérioration du statut des espèces animales en Afrique. Les rhinocéros sont particulièrement exposés. Leurs cornes sont arrachées par les braconniers. Réduites en poudre, elles serviront à confectionner des médicaments pour la médecine chinoise traditionnelle. Oh,
L'efficacité de ces médicaments n'a pas été prouvée. Mais des centaines de millions de personnes y croient depuis des millénaires. Question de tradition culturelle, en Chine et aussi dans tout l'Orient, et parmi les communautés asiatiques établies dans le monde entier. Les rhinocéros sont protégés depuis 1975 par une convention internationale, la CITES, acronyme de Convention internationale Trade of Endangered Species. À l'exception de quelques cas très spécifiques, leur commerce international est interdit. Mais cela n'empêche pas le trafic de progresser car les pays d'Asie sont dans une phase de développement économique. La demande est de plus en plus forte pour la corne et pour les organes de très nombreux autres animaux, notamment les os de tigre et la vésicule biliaire d'ours. Depuis 1970, le nombre des rhinocéros dans le monde a été réduit de 90%. Il n'en reste plus que 12 400 aujourd'hui pour 5 espèces, 3 en Asie et 2 en Afrique. Les espèces africaines sont les rhinocéros blancs et les rhinocéros noirs. Elles comptent 9 400 animaux. Même confinés dans les parcs et les réserves, ils ne sont pas à l'abri. Le rhinocéros noir est phytophage, ce qui signifie qu'il ne mange que des feuilles attrapées par sa lèvre supérieure pointue avec une dextérité comparable à une main. Le rhinocéros blanc, plus rare, est quant à lui herbivore dans un sens plus large. Son museau est carré et il est plus grand. Le petit naît après 15 à 16 mois de gestation et pèse près de 20 kg à la naissance. Il vit une relation privilégiée avec sa mère, qui peut durer 4 ans. Mais à la naissance suivante, elle le chassera. On les dit facilement irascibles. Pourtant, ce sont en fait des animaux plutôt indolents, pacifiques et surtout complètement myopes. Le plus souvent, quand ils chargent une jeep, c'est qu'ils sont blessés. Dans la plupart des cas, l'animal s'arrête à quelques mètres de l'obstacle, renifle pour essayer de l'identifier,
et bifurque. Certains pays ont cru trouver la solution en leur coupant les cornes à titre préventif. Mais cela ne dissuade pas les trafiquants. Ils ont constitué des stocks énormes. En éliminant tous les rhinocéros, ils pourront obtenir des plus-values colossales. C'est la politique du pire. À l'heure actuelle, un kilogramme de poudre de corne africaine se vend 10 000 à 20 000 dollars, soit le même prix que le kilogramme d'héroïne. Your Vic has just smeared on particularly quite thick on the little blood bit there. Sure. Don't waste too much because we don't have a lot. You're not worried about the black one, right? No, just put a little bit on the black one, that'll be fine. Okay, ear tag on the bottom. Left ear. Left ear. Okay, let's just come over. Okay. Janet, you got a time? Going in now. Okay. All right. Mais les rhinocéros sont loin d'être les seuls animaux en danger. Le livre rouge de l'UICN, l'Union mondiale pour la conservation de la nature, recense dans le monde 5205 espèces très menacées. 11% des oiseaux, 20% des reptiles, 25% des amphibiens, 25% des mammifères, 34% des poissons. En Afrique, cela concerne 14% des mammifères d'Éthiopie. Les chiffres sont de 13% pour l'Afrique du Sud, 12% pour le Kenya, 10% pour la Tanzanie. Les rhinocéros, bien sûr, mais aussi les éléphants, les félins, les girafes, les okapis, les hippopotames, de nombreuses espèces de tortues, d'angulés, de petits carnivores, de singes. Les gorilles des montagnes rendues célèbres par la naturaliste Diane Fossey, sans oublier certains oiseaux, comme le perroquet gris du Gabon. Quelle est cette menace? C'est simple. Le risque pour une espèce de disparaître purement et simplement. Et dans certains cas, le délai est très court, dans les 10 ans. Depuis 1989, l'éléphant est classé en annexe 1 de la CITES. Les pays d'Afrique n'ont pas le droit d'exporter les défenses. Mais l'ivoire continue à être très demandé, surtout au Japon. Donc le braconnage commercial continue. En juin 1997, la conférence de la CITES devait examiner notamment des propositions pour autoriser à nouveau le commerce de l'ivoire d'éléphant et de cornes de rhinocéros. C'est une perspective très dangereuse, car encore une fois, la demande des pays consommateurs est telle que l'on risque d'aboutir à des résultats catastrophiques, l'effondrement des effectifs et cette fois-ci définitivement. Et maintenant, c'est l'hippopotame qui commence à être sérieusement menacé. Car ses dents sont bien sûr en ivoire. Et c'est une proie très facile qui a peu de moyens de défense. Les effectifs ont diminué considérablement ces dernières années, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais ce sont les pays d'Afrique australe qui sont les principaux exportateurs de canines et d'incisives d'hippopotame. En premier lieu, la Tanzanie, puis le Burundi, l'Afrique du Sud et l'Ouganda.
Le braconnage est parfois intense, comme dans le parc des Virunga au Zaïre, en 1992 et 1993. Les soldats de l'armée zaïroise agissant pour le compte des autorités locales ont décimé plus de la moitié des hippopotames. Et c'était en temps de paix. Quand les hostilités se déclenchent, les risques sont démultipliés. Tous les conflits des années passées en Afrique se sont soldés par la disparition de centaines de milliers d'animaux. Chacun se sert sur la bête. On peut avancer sans se tromper que les guerres au Rwanda, au Zaïre, en Angola ou au Soudan se traduiront par des bilans catastrophiques pour la faune. Une surveillance efficace des parcs et des réserves suppose un matériel adapté. Des véhicules tout-terrain, des moyens de communication radio, des armes modernes, voire des avions et des hélicoptères. Il faut aussi payer correctement les gardes si l'on veut qu'ils soient motivés. Car des patrouilles doivent être effectuées en permanence. C'est une vraie guerre qui est engagée contre les trafiquants. Les États africains sont quelquefois aidés financièrement par des organisations internationales. Le parc de la Garamba au Zaïre abrite les derniers rhinocéros blancs de la sous-espèce du Nord, une trentaine d'animaux seulement. La quasi-totalité du budget de fonctionnement est prise en charge par des contributions extérieures. Le braconnier de base, qui vit à proximité des parcs ou des réserves, recevra une prime équivalente à plusieurs mois, voire à plusieurs années de revenus. Il a donc peu de scrupules, car le niveau de vie en Afrique reste très bas. Mais les groupes organisés sont beaucoup plus dangereux. Ils sont puissamment armés et ils n'ont pas, eux, l'excuse de la pauvreté. Ils peuvent décimer toute une population animale. Certains pays comme le Kenya témoignent d'une réelle fermeté à l'égard du trafic. Pour preuve, la destruction par le feu des défenses saisies, orchestrée par le président Moi, a grand renfort médiatique. Le Likaon. On l'appelle aussi chien sauvage. Il est considéré partout comme un animal à problème, un danger pour le bétail. En anglais, on parle de vermine. Il n'en reste plus que 3000 dans toute l'Afrique. Son habitat se réduit de plus en plus. Il est décimé par les éleveurs, qui le tire ou l'empoisonne, alors qu'il se nourrit des ongulés sauvages et des lièvres. Il est aussi victime des maladies transmises par les chiens errants. Les maladies représentent en effet un grand risque pour les animaux sauvages que l'on oublie souvent. La rage est endémique en Afrique. La tuberculose bovine se développe. La peste bovine de 1890 à 1930 et jusqu'en 1962 pour le parc de Serengeti en Tanzanie a tué des millions d'ongulés, buffles, gnous, gazelles, girafes, phacochères. Elle est encore présente. En 1994 et 1995, le tiers des lions du Serengeti et du Masai Mara au Kenya a succombé à une épidémie de maladie de Carré. Elle avait été transmise par les chiens domestiques aux léopards, aux chacals, aux hyènes tachetées et aux autochtones, ces canidés aux longues oreilles. Et par eux, les lions ont été contaminés. Il y a plusieurs millions de chiens domestiques au Kenya.
et sans doute plusieurs dizaines de millions en Afrique. Ce ne sont pas les seuls vecteurs des épidémies, mais en tout cas parmi les principaux. Ils servent à protéger le bétail, mais aussi à chasser, parfois illégalement dans les parcs et les réserves. C'est une chasse de subsistance. Ce type de braconnage peut difficilement être évité. Mais quand il s'agit d'exterminer des animaux pour revendre leurs organes à des trafiquants, l'enjeu n'est pas le même. Très souvent en Afrique, les agriculteurs et les éleveurs sont hostiles à la faune, parce que les réserves et les parcs représentent des espaces qu'ils ne peuvent pas exploiter. C'est le cas des Maasai du Maasai Mara. Toutes les études économiques ont montré que les revenus tirés de la conservation au Maasai Mara étaient largement supérieurs à ceux qui pourraient être produits par une utilisation agricole ou pastorale de la réserve. Mais les Maasai n'ont pas tout à fait tort, car ils ne profitent que d'une infime partie des retombées financières du tourisme. Comme partout en Afrique, la quasi-totalité de ces ressources aboutit dans les caisses centrales de l'État. Il y a un autre sujet de tension, le vagabondage des animaux hors des réserves ou des parcs. La place qui est accordée à la faune est de plus en plus réduite. L'agriculture, l'élevage, l'exploitation des ressources naturelles limitent et fragmentent son habitat. Cette fragmentation a d'autres effets particulièrement graves. Elle accroît les risques de consanguinité parmi les populations animales, ce qui conduit à terme à leur appauvrissement génétique. Les animaux qui entreprennent des migrations comme les éléphants, les gnous, les zèbres, les buffles sont de plus en plus empêchés de suivre leur itinéraire habituel. Ils ont tendance à surexploiter la végétation sur place. Le résultat, c'est l'appauvrissement du biotope et la disparition de nombreux animaux qui ne peuvent plus se nourrir. Au Kenya, les éléphants sont considérés par les populations locales comme de vrais dangers, à la fois pour elles-mêmes et pour les récoltes. 50 éléphants ont dû être abattus par le Kenyan Wildlife Service en 1993, mais aussi 20 000 ongulés qui avaient pâturé sur les cultures. Les éléphants sont parfois trop nombreux pour l'habitat qui leur est réservé. Il y a trois solutions à ce dilemme. Réduire les effectifs, donner plus d'espace aux animaux, ou bien les déplacer. En Afrique du Sud, jusqu'à l'année dernière, 300 à 400 éléphants du parc Kruger étaient abattus chaque année. Cette pratique a été interrompue sous la pression d'organismes de défense des animaux. Mais le problème demeure. Les rhinocéros blancs, en Afrique du Sud, sont délocalisés vers d'autres réserves, dans le pays ou à l'étranger. À Amboseli, au Kenya, on commence à autoriser les éléphants à déborder des limites du parc sur les terres des Maasai. En contrepartie, le Kenyan Wildlife Service installe des points d'eau pour le bétail et construit des clôtures électrifiées pour protéger la population des pachydermes. Mais le financement de ces mesures et de la conservation de la faune en général coûte cher. 400 à 1000 dollars au kilomètre carré pour l'habitat des rhinocéros, par exemple. Heureusement, la faune n'est pas seulement synonyme de dépenses.
elle est aussi source de revenus. Pour tous les pays, le tourisme de découverte en est une des principales. La chasse sportive aussi est très prisée. La recherche d'un trophée se traduit par d'importantes dépenses de la part des riches amateurs, européens et américains essentiellement. Certains pays comme l'Afrique du Sud ou le Kenya ont beaucoup développé cette activité. D'autres réussissent moins bien. Les États sont libres de gérer leur faune sauvage à l'intérieur de leurs frontières, comme ici au Sénégal, dans la réserve de Djoudj. Mais ils sont gagnés par la tentation de la valoriser davantage. À chaque conférence de la CITES, des pays demandent à reprendre le commerce international d'espèces protégées. Ils avancent que leurs effectifs permettent ces prélèvements. Heureusement, une prise de conscience du statut précaire du patrimoine naturel a provoqué l'émergence d'initiatives privées, comme cet endroit de Giraffe Manor où sont réunies des girafes de Rothschild. Ce manoir des années 30 a été construit par des Écossais. En 1973, alors qu'il ne restait plus qu'une centaine de girafes de cette espèce, un couple d'Américains décide de créer la Fondation africaine pour la vie sauvage en danger et de s'attaquer prioritairement à la sauvegarde de ces girafes. Afin d'accélérer la prise de conscience et de créer une émulation auprès du public et des médias, ils capturent une jeune femelle et la ramènent dans ce manoir. Au fil des ans, se développe une relation tout à fait stupéfiante entre cette girafe, Daisy, et le couple d'Américains. Aujourd'hui, plus de 500 girafes de Rothschild ont pu être réinsérées dans 4 grands parcs au Kenya et continuent de prospérer. En 2025, la population de l'Afrique aura doublé. Si l'on veut que les espèces menacées passent ce cap, il faut montrer une réelle volonté politique. Celle de garder aux animaux la place qui leur revient dans un monde dominé par l'homme.